Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Age of Mythology Extended Edition, donc avec la campagne de la Nouvelle-Atlantide. Donc là nous sommes à l'épisode 5, donc la cinquième mission, donc les reliques anciennes avec l'Égypte. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc lors du précédent épisode nous sommes partis en Scandinavie pour donner une leçon aux Scandinaves qui nous ont trahis et qui ont rejoint les Grecs à Sicyos. Et maintenant, après les Scandinaves, ce sera maintenant au tour des Égyptiens. Parce que hein, chacun doit être remis à sa place, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on va se concentrer sur cette mission. Donc apparemment, on va devoir récupérer des reliques anciennes. Donc, alors les Atlantéens se rendent en Égypte pour dérober à la reine Amanra quelque chose de très important. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, donc la reine Amanra, hein, c'est une personnalité très importante anciennement dans la grande campagne La Chute du Trident avec Age of Mythology, donc de base. Et en gros, elle est devenue reine, donc elle était capitaine des mercenaires avant, dans mes souvenirs, et 10 ans plus tard, elle est devenue reine d'Égypte. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On peut lancer la mission. Avons-nous eu des nouvelles des troupes envoyées à la rescousse des Grecs? Oui, Majesté. Elles sont arrivées et défendent Sicyos. Elles disent que l'armée atlantéenne est hors de la ville, mais qu'elle n'attaque pas. Reine Amanra. Arcanthos. Je suis venu vous prévenir. Vous allez être attaqués par les Atlantéens. Nos troupes les ont déjà croisées en Grèce. Pas en Grèce. Ici. Comme votre armée est partie défendre les Grecs, les Atlantéens ont décidé de vous attaquer en position de faiblesse. Chez vous. Nous devons nous préparer. Les Atlantéens veulent vous donner une leçon pour vous apprendre à leur tenir tête. Ils vont tenter de s'emparer des quatre reliques qui se trouvent sur ces terres pour montrer leur domination. Arrêtez-les. Le temps presse. Les Atlantéens ne vont pas tarder. Donc voilà, donc on rencontre Amanra, la reine d'Égypte. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, dans la campagne, la grande. Les quatre anciennes de ces terres accordent de grandes bénédictions. Nous devons les capturer toutes. Alors, nous sommes bloqués dans l'âge héroïque sans pouvoir divin jusqu'à ce que nous capturions les reliques de ces régions. Donc vite, la première chose qu'on va faire, on débarque les citoyens, hop. Là, je vais commencer à construire des murs le plus rapidement possible pour bloquer la passe. Donc on a 4 reliques à capturer. Et si on perd le temps de chronos, on sera perdu. Ok. Donc, première chose, on va faire ça. Ça va booster la portée de vision de notre oracle. Et là, je vais essayer de faire sur des accès restreints pour mieux me défendre et économiser de l'or. Nous devrions protéger ce continent. Voilà. Et pour ce faire, l'entourer de. C'est ce qu'on va faire, comme ça, on va limiter les accès. Je vais déjà envoyer mes arcus ici, mes fanatiques et mon oracle là-bas pour surveiller les autres entrées, en attendant que je fasse ce qui est demandé. Bon, bah déjà, les arcus, ils ont rencontré un obélisque de 7. Voilà. Hop. Toi. Je vais me faire ça là. Ça fait déjà 2 accès qu'on aura bloqué direct en 2 minutes. Toi, je vais te déplacer parce que je trouve que t'es pas à ta place. Voilà. On fait un déplacement de bâtiment comme c'est une des capacités spéciales avec Chronos. Donc vous pouvez déplacer un bâtiment à la fois dans le temps et ailleurs sur la carte tant que vous avez le champ de vision. Alors lui, encore un obélisque ici. Alors toi, bon, on va commencer à faire différentes ressources, donc 2 déjà. Alors l'autre là il construit, c'est bien. Et je vais tout de suite aller capturer la première relique, ce sera déjà ça de fait comme c'est la plus facile d'accès pour le moment. Hop, ici il construit du bois, là c'est de la nourriture. Donc toi tu vas là. Et vous en route. On vous paye pas rien foutre. Hein. Étrange, la relique de ce désert semble avoir été abandonnée. Marc. Maudit soit ces sables, créature de Seth. Vite, vite, vite. On traîne pas, on se casse, on laisse les troupes du désert. Oh, les hippopotames nous ont repérés, c'est pas grave. On va s'occuper d'eux.
Regardez, un coup, il n'y a plus rien. Bon, les yens sont un coup. Voilà. Donc le rouge a déjà un talage classique. Très bien. Donc, vous, vous revenez là immédiatement. Toi, tu commences à me bâtir des murailles et vite. Ah, par contre, lui, il va. Je vais peut-être emmener les Arcus là, tu vois. J'ai commencé à que ce soit des casernes parce que là, ça va pas tarder à arriver les problèmes. Je sais pas pourquoi, vu que Sekar a fait un pouvoir vision sur ma base économique. Mais mets-le. Voilà. Donc il nous reste 3 reliques à trouver. Je ramène les Arcus, on sait jamais. Non, mais non. Bon bah. Parce que t'as bientôt fini, non. J'ai formé 2 autres citoyens ici. Donc on en serait à 4, 6. Ah, notre ami qui a utilisé son pouvoir spécial. Très bien. Alors toi, t'as le temps. Tu vas me faire 2 casernes pour débuter. 2 comptes contre infanterie aussi, s'il te plaît. Comme ça on aura ce qu'il faut, là où il faut. Et pour faire le simple, on va te promouvoir en héros. Félicitations. Voilà. Ah, comment ça, l'autre utilise le pouvoir du bronze, t'es sérieux? Ouh, il prépare un assaut alors. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Par contre, là, je vais l'emmener là-bas, tiens. Il va être plus compliqué à éliminer. Non, 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 non. Putain. Vas-y, vite, rattrapez-le avant qu'il se... Allez, allez, vite. Voilà. On va essayer de les capturer, donc ils ont plus... Ah, bah voilà. Il faut quelque chose d'intelligent pour une fois. Là, je vais commencer à faire mes technologies pour les automates, parce que je vais en faire une force de frappe. Et là, je vais aussi faire un palais, tiens. Je vais le mettre ici, comme ça, il sera bien entre... Il pourra garder cette porte. Et je trans... Enfin, cette section, pardon. Certaines répliques seront plus dures à acquérir par rapport à d'autres. T'es sérieux, j'ai perdu 2 fanatiques. Bon, bah tant pis, hein. On fera avec. Ah non, j'ai rien dit. Par contre, si vous pouviez éviter les flèches. Donc lui, il construit son truc. Là, il y a... eux, ils ont tué les prêtres, c'est bien. Enfin, c'est bien, entre autres, mais... Là, hop, construit un port. Hop, tout le monde se rapatrie là. Bon, bah, le pouvoir divin bronze, hein, il a pas vraiment servi pour eux, je trouve. Là, mes archers, ils gardent ici. Donc, ce que je vais faire, c'est construire ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais c'est pas vrai, on peut pas être tranquille 2 minutes. Je vais tout de suite faire le renouveau héroïque pour mes fanatiques, comme ça, ils pourront se régénérer. Je vais faire l'armurerie immédiatement. Ah, ils font mal, hein. Ouf. Je vais faire l'infanterie moyenne tout de suite pour commencer à attraper le retard. Ils peuvent pas nous attaquer, on dirait du fait de tourner à travers la porte apparemment. Bon bah... Excellent. L'armurerie elle est en cours. Ah, mes Arcus qui ont eu un navire de perche et là ils en attaquent un autre qui est déjà bien endommagé apparemment. Voilà, très bien. Bon, niveau économie c'est pas encore ça, mais bon on va faire avec. Donc, hop, plus de nourriture, vite. Bon, le macaque, bah, il sert plus à grand chose, hein. Bon, déjà, c'est quoi les manoirs? Déjà, c'est eux. Bon, on va les produire tout de suite. Voilà, on va déjà en produire 4. Ce sera déjà un début.
t'en penses? Là, les Arcus, ils font le job, ben, ils empêchent les navires de pêche de récolter des ressources pour le joueur orange qui est à l'est. À l'ouest, pardon. Et Porofras, Yuji. Yuji. Hop, mes navires en profitent pour s'accaparer la ligne poisson. Voilà. Donc là, mes fanatiques sont de nouveau opérationnels. Là, je vais faire ça. Et je crois qu'après, je devrais peut-être bâtir des tours, tu vois. Je pourrais vite avoir un autre citoyen ou pas, s'il te plaît. Donc toi, t'as repéré un point de poisson, tu vas là-bas. Tu vas m'en former un autre là. Je vais essayer de booster au mieux la pêche là, parce que ça pourrait être stratégique ici. Ah, il y en a un qui a pas compris encore. Hop, plus de nourriture ici, très bien. Ah, vous êtes 4 sur le bois déjà, putain. Hop, vite. Toi, tu vas me couper un peu de bois parce que comme tu parles, tu fais rien en attendant. Quoi, tu vas me bâtir une guilde économique ici, tu vois. Les archers moyens, pareil. J'ai pas de nourriture encore. Hein. Ah, pas suffisamment de production quoi. Je vais en mettre un là. Bon, les Arcus ils font un beau boulot là, ils sapent la flotte de Sakara. Voilà, très bien. Hop, vous trois vous me chassez cet hippopo. On manque d'or, tiens. Hop, par ici. C'est tout. Bon bah on va faire ça. Plus de hop. Ah, pas assez de nourriture encore. Ça c'est chiant. Parfait. On fait vite ça. Comme ça on a deux trucs de base. Un peu de ça. Et on va faire toute cette première technologie de boost économique. J'ai une idée, on va tout regrouper tout ça, tous nos bâtiments là. Hop. Bon bah là les navires ça coule bien. Ah, quelqu'un a pris ce saumon déjà. Ok. Toi tu vas l'explorer par là du coup. Y a quelqu'un là, t'es sérieux? Je suis sûr que c'est un navire de l'autre orange là. Ok, bah ça personne apparemment. Ah bah ça toi. T'es sérieux mais y'a personne dessus mec. Bon bah tu vas aller là-bas, écoute tant pis, hein, on va pas pleurer pour un navire de pêche. Infanterie lourde. Archer lourd, voilà, on va déjà faire ça. On va vite faire ça aussi pour les automates. L'économie ça commence à venir là. Plus de nourriture, ok. Chasse le suivant là. Voilà. On va avoir un peu de ressources là. Ça va être pas mal. Je commence à former quelques Arcus. Attends. Hop, tu me produis un Arcus, vite. Et tu m'en produire 4. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah vous, hop. Vous êtes promu, vite. Feu. Voilà. Là, on forme les premiers Arcus en plus. Et là, on va commencer aussi à produire les destructeurs. Tiens, allez, en route. Ah bah tiens, t'as un coin de pêche là. Vas-y. C'est un navire de transport en plus ici. Hop, parfait.
Après, tu vas m'en faire deux encore, au cas où. Ok, le jaune de la seconde passage classique, s'il nous laisse un petit peu d'avant, un petit peu de temps. Toi, tu me chasses là, toi, tu me chasses là, et toi, tu me chasses là. Voilà. Avec ces trois gazelles de prêtres là, ça nous va accumuler un peu plus de nourriture. Oh là là, les pauvres navires, quoi, qui se tentent d'approcher. J'en ai combien là? 6. Je vais encore en produire 2. Je vais laisser les 4 là-bas au nord pour empêcher les navires de pêche de passer. Et là, dès qu'on aura 10 destructeurs, ce sera parfait. Je vais commencer à faire des améliorations. Il va me falloir faire un marché, tiens. Tu vas aller voir par là ce qu'il y a, s'il te plaît. Un peu d'or. J'en ai marre. Allez, voilà. Encore, j'en fais 3 encore destructeurs, j'aurai assez, je pense. En tout cas, ils font le job, hein. Punaise, il n'y en a pas un qui passe. Excellent. On va vendre un peu de bois. 500, tac. Et tu vas pouvoir y retourner alors. Tac. Encore un, et après on arrêtera. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Tous destructeurs, Gisarcus lourd. 8 x 7, 56, c'est bon. Voilà. Bienvenue les gars, Arcus, Arcus Hero, félicitations. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Au moins je peux pas avoir les fonds, ouais j'ai pas les fonds. En fait mon but ça va être de vite récupérer ça. Hop. Je peux produire autre chose ou pas? 800, ouais j'ai assez de nourriture. Est-ce que je peux faire aussi les... Ah il me faudrait 400 d'heures quoi. Au pire je les produis en destructeur héros et après je passe à mes trucs. Allez, on va. Un peu de nourriture, un peu de bois, encore un peu de bois. Et ça devrait être suffisant. 750 je crois. Ok. 750. Bon bandier. Ah. Ah c'est. Ah oui, c'est vrai, 12. Et zut. La nourriture, ça vient. Bientôt. Et ça devrait être bon pour le premier assaut. Excellent. Vous y allez en route. Vous allez me prendre ce coin, vous allez le brûler, le raser. On va donner une leçon au orange déjà. Et après on aura le monopole de la pêche sur le fleuve. Enfin après je sais pas si le rouge il a un truc. Attends, je me méfie vu qu'il est près de, du bord de mer. Bon bah là, là comme scorpion, il n'y a pas eu le temps d'arriver quoi. Voilà. Donc là on va rusher le temps, pourquoi? Pour éviter qu'il forme d'autres hommes scorpions, ça peut toujours être ça bien. Ça peut toujours être utile hein. Le forum il est où? Il est là ou là? Je sais plus. Ah il est là. Vous allez là. Vous occupez de ça, on s'en fout. Voilà. Regardez les destructeurs ce qu'ils sont en train de mettre au forum ennemi hein. Ils ont que 8 d'attaque, mais le bonus qu'ils doivent avoir, il est assez conséquent, j'ai l'impression. Voilà. Beau travail. On va raser les maisons, comme ça, ils ne pourront pas reformer, construire d'autres. Toi. Il n'y a plus de nourriture ici. Hein. C'est un peu problématique, donc vous allez me construire des fermes là. Et vous vous mettez au boulot. Bien. Et 2-2. Maintenant qu'ils ont plus de forum, ils ne pourront plus passer à l'âge suivant. Dans la logique. Ah, il y a une caserne ici. Voilà, on rase les petites statues, c'est pour le fun. Vous allez par là. Vous me rasez ça. Moins d'unités ennemies formées, mieux ce sera. Les fanatiques, vous allez explorer un peu. Voilà, excellent. On se rapproche progressivement.
de notre objectif, la relique. Oh, regardez ça. Parfait. Allez-y, Fanatic. À vous. Ouais, ils sont sérieux là. Oula. Il y a du monde en fait. Les fanatiques, vite occupés, où de ces villageois. Allez, vite, rasez le forum, le baston de Migdol là, et ça sera bon, je pense. Nous avons trouvé une relique. Parfait, beau travail. Ah, le rouge, il atteint la géorique. Ça, ça va être un peu plus problématique, mais bon. Allez-y, les fanatiques, massacrez-le. Hop, très bien. Ici, c'est réglé. Est-ce qu'il y a un port dans le coin? Non. Ah, il n'y en a pas. Il y a de l'or là, ok. Je m'en fous, vous récupérez ça et on s'en va. Apportez la relique dans le temps. Ce sera fait, pas t'inquiète. Là, on rase les derniers bâtiments du orange. Et on y va. J'ai pas une unité volante, là, ça aurait été marrant. Comme ça, j'aurais pu balancer un pouvoir par-dessus. Voilà. Ici, hop, vite, vous rentrez. Maintenant, on va rajouter un port de pêche ici, en plus. Enfin, un navire de pêche. Là, on n'a plus d'or, donc vous allez aller là. La guilde économique. Ah, on a déjà plus de place, t'es sérieux. Bon, bah, allez-y. Hein. Toi, plus d'arbres. Tu vas aller me construire un forum ici. Tu vas me passer tes forums là. Hop. Plus on aura de populace, mieux ce sera, je pense. Voilà, donc ça c'est bien. L'expédition a été un succès total. Donc les fanatiques, vous mettez près du temple. Nous avons gagné séisme. Oh là là, séisme. Les gars, séisme. Une des meilleures reliques du jeu. Un des meilleurs pouvoirs du jeu. Hop. C'est quoi ça, Kébénite? C'est bon contre navire. C'est contre avec des navires de siège. Eh ben on va en former. Deux navires de siège, ça devrait être bon, je pense. Ils vont me raser mes navires, tu vas voir. Saloperie. C'est pas grave. On va l'avoir au prochain tour. Enfin, prochain tour à la prochaine action. Ah, on a des Arcus qui ont rejoint. Ça nous en fait 10. Vous me rasez cette tour. Parce que voilà. Il va vite falloir... On a dit combien de navires ce con. Voilà. C'est parfait. Pour plier, on va vite commencer à former des automates. Ça va être urgent. Vous me rasez ça. C'est la porte. Hein. Oh putain. Empêchez ça. C'est quoi ça? Oh, c'est... Pardon, ils ont ça. Ils ont le droit. Oh, joli. Bien, beau travail pour empêcher la construction de ça. Bon, on va lâcher une tornade. Hein. Attention, attention. Vite, 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 barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Voilà. Là, on va laisser le nettoyage se faire. Hein. Vas-y, vas-y, rase le démolis le forum au maximum. Excellent. Occupez-vous de ça. Les automates ils se forment, c'est bien. Je vais me faire architecte, t'as toute la nourriture qu'on a accumulée.
Je veux pas. Je vais vite raser ça parce que ça peut être... ça pourrait être chiant dans notre dos, vous voyez. Excellent. On tue les villageois. Moins il y en aura, mieux ce sera. Il n'y en a aucun qui a survécu là, les pauvres. C'est un massacre de villageois. Il faut aussi vite détruire ça parce que le marché, ça peut être un problème aussi. Boula. On va essayer de terminer le maxi tous les villageois comme ça ils ne pourront pas rien reformer d'autre. Voilà. On a combien de tomates là? 8. Je pense qu'en formant 4 ça devrait être bon pour l'assaut de la base du jaune. Excellent. Mais c'est bon ça. Voilà. Le rouge, bah ça va être de l'expansion. Bon, les fans vont s'occuper de ce prêtre, hein, ça va être une formalité. On a encore de l'or ici, ouais. Donc on va vite rusher avec la guilde économique les dernières technologies. J'ai pas encore fait les améliorations, moi, ça c'est pas cool. 10, encore 2. Je vais faire la chirobalisse lourde, on sait jamais. Non. Voilà. On va faire pas mal de conversions. Hop. Je vais faire aussi technologie des casernes pour la conscription et l'enrôlement. Voilà. Bah, je pense qu'on a une bonne armée. Hein. C'est plutôt pas mal. 12 automates. Ah oui, mince, on a oublié pourquoi on était venu, la relique. Bon, bah, le prêtre, hein, il a passé dans le feu. On a la relique, c'est qui l'a? C'est un destructeur. Bah, le destructeur vont raser cette... Bah c'est le marché quoi, ce qui reste. Et les obélisques aussi, si au passage ça vous amuse. Voilà. Bah le rouge, hein, il... Bah là, on a, il y a vu rouge. Hein. Ah. Donc là, on va vite passer par là. Toi, tu vas là. Hop. Les automates, il y en a une 12, ça doit être suffisant. On est plutôt bon. On est plutôt bon. On va ramener ça. Ce sera de pouvoir bronze, j'ai l'impression. Voilà. En attendant, on va attendre avec ce corps d'armes, ce groupe d'armée. Les automates sont en route pour rejoindre les archers et les fanatiques. Voilà, ça devrait être bon. Le guide... Je vais aussi faire ça pour le bois, tiens. Nous avons gagné le pouvoir divin. Excellent. L'oracle reste là. Lui. Bon. Va falloir prendre la cité d'Avaris. À mon avis, ça va être le gros morceau. Mais bon, avec l'armée de héros que j'ai, les automates, les arcus et tout, je pense que ça devrait globalement bien se placer. Bien se passer, pardon. Je vais améliorer mes héros, mes citoyens héros. Voilà. Et mes quelques arcus, là, ils sont où? Oh, bah vous allez rejoindre aussi, je pense qu'il n'y a plus de menace directe. Puis j'ai envie de dire plus d'archers, mieux c'est. Hein. 12 destructeurs, 12 automates, 12 arcus, 5 fanatiques, comme je peux pas en avoir plus. C'est un beau petit... Un beau petit carnage qui se prépare. Et je vais former deux, aussi deux chirobalistes, tu vois. Ça fera 4 chirobalistes au total. Ah, là on a rencontré le jaune déjà. Archer, 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 occupez-vous de ça. Ça c'est un wedge, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, on va raser les premières défenses. On va envoyer un avertissement à Avaris pour lui dire qu'on arrive. Sympathiquement. Hein. Là, il y a des troupes, il y a des casernes, là, on va les raser.
Ouais, les chirobalistes, ça vient ou... Donc la citadelle doit s'être faite à l'intérieur, je pense. Merde, un phénix, attention. Rasez, tuez-le. Et surtout, tuez l'œuf, hein. Oui, voilà, c'est ça, vous faites le job. Vous faites exactement ce qu'on vous demande. Là, vous voyez les automates qui se font massacrer. Qui se massacrent les villageois jaunes, pardon. Voilà. Ouh, un scarabée. Tue-le. Je sais où il va. Eh, où tu vas, toi? Oh. Pas à bouger. Excellent. Bon. Il y a un forum au sud, on va aller le détruire comme ça. On va mettre fin. Ils en ont produit un autre, putain, ils sont motivés. Hop, on va ramener les chirobalistes. Ouais, ils sont où du jeu. Ouais. Ah, j'ai plus de place. Ah mince. Toi. Tu vas construire un forum là-bas. Ouais, restez pas sous le feu de la tour. Bon, c'est pas grave. Pas de panique. On fera avec ce qu'on a. On a que des humains et des automates. Mais ça devrait aller globalement. Ah, c'est encore un... On va les affaiblir. Alors, on va les priver de l'économie. Voilà. Excellent. On va passer en force, tiens. Putain, c'est prêt, ils font chier, quoi. Maintenant qu'on le tient. Hop. Vous allez laisser passer les destructeurs, comme ce sont les spécialistes. Allez, destructeurs, brisez cette porte, montrez ce que vous êtes. Ah, ils produisent encore des phénix. Hein. Ils ont toujours pas compris la son, mais c'est pas grave. Vous prenez vite la citadelle là, ça va être le point stratégique. Vite, 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 on rush. Voilà, excellent. Vite, foncez vers les temples. Et moi j'ai une idée. Avant, on va lâcher ça. Voilà, vite, 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 on se casse. Joli. J'ai lâché le séisme avant de me barrer, j'ai bien fait. C'est un... Ah, un marché rouge. Destructeur, détruisez le dernier de ce forum. Tiens, ils ont encore combien de villageois, eux? Je vais y envoyer mes arcus les nettoyer. Je vais avancer jusqu'au sud, tu vois. Là, je vois rien, là non plus. On va avancer. Ah, il y avait une entrée là, d'accord. Oh bon, bah, écoute. Bon, t'auras une autre entrée vers le sud. Bon, je pense que là, c'est fini la mission, hein, globalement. Je rase encore les quelques bâtiments et après, on va aller ramener la relique dans le temple. C'est pas vrai, mais ils ont encore combien de citoyens là? J'adore mes automates. Yuji, Yuji. Je vais penser Yugi, mais bon. Je vais y aller, on y va, hein. Ouais, tu peux la récupérer, mec. Vite. On se casse. On les a nettoyés. Quoi qu'ils ont peut-être encore des citoyens là-bas, on va les voir. Un petit peu de baston, ça fait pas de mal. Les chirobalistes, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une tour. Je suis sûr qu'il y a moyen de passer là. Bah, bien sûr qu'il y a moyen de passer. Il reste quelques citoyens, ouais. Bah, c'est pas glorieux, hein, les Égyptiens. J'aurais mis un peu de défi, mais bon. Après, je viens de là, vous me direz, mais bon. Ah, il y en a un qui a eu un petit souci. Ah, il se voit, il se part. Oh.
Bon, vous vous occupez de ça, les destructeurs, vous passez par là, on va raser cette tour. Et ce sera terminé de cette mission. En attendant, les Arcus pour piller à la base. Voilà. L'armée a bien fait le job ici. On a donné une leçon, bah. Je disais, on a donné une leçon. Voilà. Merci. J'ai horreur quand on m'interrompt, quand je fais un discours. J'ai donné une leçon aux Égyptiens, ils ont perdu leur relique. Donc, globalement, cette mission est un succès total. Et comme dirait un certain Hannibal Smith, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Allez, hop, c'est la fin. Destructeur, Arcus et tout. Ils ont tous fait le job. Là, y a rien à dire. J'ai pas eu trop de... J'ai même pas eu de perte, je crois, quasiment. Une ou deux, peut-être, mais sans plus. Voilà. Voilà. Nous avons récupéré la quatrième relique pour Atlantide. Hop, les régiments sont présentés. Vos quelques troupes et partez pour la Grèce. Je ne peux pas abandonner mon peuple à un tel moment, Arcanthos. Amanra, mon fils est à la tête des troupes atlantéennes. Castor? Pourquoi Castor nous attaquerait-il? Il s'est fait piéger. Vous devez le trouver. Il a mené une force comme celle-ci contre la patrie scandinave et il retourne en Grèce à présent. Allez le chercher. Bon, bah apparemment, Arcanthos, hein, maintenant vous savez, c'est le père de Castor, et oui, et qui est devenu un dieu ici. Et Amanra va devoir aller le récupérer donc. Ceci est la fin de la mission 5 de la campagne avec la Nouvelle Atlantide, les reliques anciennes. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein, c'est toujours plaisir. Un petit commentaire, ça peut toujours être sympa, et voilà quoi. Et sur ce, je vous dis, pas cette semaine, mais la semaine, ni la semaine prochaine, comme bah, je suis en vacances. Donc on se retrouvera dans 15 jours, vous aurez une vidéo sur Warhammer avec la première bataille de quête avec les nains et Thorgrim le Rancunier. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser von Karstein de Planète Total War. Et je vous dis à très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.